Merci de votre patience. Bienvenue à la troisième table ronde sur la sexualité humaine organisée par le groupe de travail de la table connexionnelle chargée d'organiser ces dialogues à ce sujet. Et aujourd'hui, nous nous trouvons à Maputo, au Mozambique, à l'occasion de la réunion conjointe de la table connexionnelle et du comité permanent en matière des conférences centrales. Alors que nos deux tables rondes précédentes ont porté sur les voies ecclésiales et académiques américaines. Nous pensons que le fait d'être au Mozambique nous offre une occasion unique d'entendre la voix des membres des conférences centrales et d'entendre leur voix à ce sujet sur la sexualité humaine. Donc, avant de commencer, prions ensemble. Ô Seigneur, répands ton esprit sur nous aujourd'hui pour que nous puissions ressentir ta présence. Touche le cœur de chacun d'entre nous ici et leur âme et leur cœur. Sois parmi nous durant nos conversations pour que nous puissions entendre ta voix, toi qui nous appelles et qui nous guides. Amen. Le thème pour notre discussion aujourd'hui sont les suivants, notre identité wesleyenne et la vie d'une église mondiale. Dans leur présentation, nous avons demandé aux participants de répondre à deux questions. Comment définir notre identité wesleyenne au sein de notre nature mondiale globale? Et quelles sont, à votre avis, les valeurs fondamentales du méthodiste uni aujourd'hui? Et ces questions permettront d'orienter notre discussion sur la mission et le ministère de l'Église méthodiste unie, tout en nous permettant de mettre en évidence combien la sexualité humaine affecte notre mission, notre ministère, en particulier dans le contexte des conférences centrales. Et c'est dans cet esprit de la mission du ministère que je vous présente nos participants. Nous commençons par Dr. Ende Bondo. Je suis conférencier à Africa Université à Mutare au Zimbabwe, dans la faculté de théologie. Mon domaine est la théologie pratique, dans lequel ce qui m'intéresse le plus, c'est la politique et la doctrine de l'Église, ainsi que l'administration de l'Église. J'enseigne également aux étudiants un cours de déontologie, aux éthiques et de valeurs chrétiennes, un cours qui est offert à tous les étudiants de l'université. Je suis un ancien de la conférence annuelle du Nord Katanga de l'Église méthodiste unie dans la République démocratique du Congo. On décrit l'identité wesleyenne ou méthodiste par une tradition de croyances, de pratiques et d'une spiritualité auxquelles ce que l'on appelle méthodiste s'identifie. John Wesley, le fondateur du méthodisme, demeure le personnage central qui, plus que toute autre personne, donne à cette tradition son identité. On définit les méthodistes comme une communauté d'hommes et de femmes qui ont l'apparence de la piété et qui recherchent sa puissance, qui sont unis afin de prier ensemble, pour recevoir les paroles d'exhortation et pour prendre soin des uns et des autres dans l'amour, dans le but de s'entraider pour assurer leur salut. D'après ces définitions, nous pouvons premièrement en tirer les croyances ou doctrines fondamentales de l'identité wesleyenne, dont la repentance, la foi et la sainteté. Tous les méthodistes recherchent la sainteté et ils savent qu'ils devraient commencer par la repentance rendue possible par la grâce de Dieu. Et ils sont justifiés devant Dieu et nés de nouveau par la foi. Et puis l'Esprit Saint continue en eux le processus de la sanctification. Selon Wesley, c'est la voie du salut. Deuxièmement, les méthodistes emploient certaines pratiques pour préserver leur sainteté. Ils s'organisent en petits groupes que l'on appelle classes, dans lesquels ils priaient et recevaient les paroles d'exhortation.
Et finalement, on s'attendait à ce que les membres des groupes exercent la discipline spirituelle de la responsabilité mutuelle en se surveillant les uns et les autres dans l'amour. Il n'existe qu'une seule condition requise de ceux qui désirent être admis dans ces sociétés, un désir de fuir le courroux à venir et d'être sauvé de leurs péchés. Toute personne qui est déterminée à sauver son âme doit manifester trois choses. Premièrement, éviter tout péché connu. Deuxièmement, le pouvoir de faire le bien. Et troisièmement, de prêter attention aux ordonnances de Dieu. Quelles sont les valeurs fondamentales du méthodiste uni? Elles sont tirées de la signification de l'identité wesleyenne. Elles comprennent la grâce de Dieu. Les êtres humains ont besoin du salut et la grâce de Dieu leur donne la capacité de répondre au salut qui leur est offert à travers Jésus-Christ. L'amour salvateur de Dieu, le don du salut, des vies transformées, la sanctification, la sainteté, le témoignage du Saint-Esprit. Merci, Dr. Bondo. Maintenant, le révérend Israël Avaran du réseau des ministères réconciliants. Je voudrais que vous accueilliez un ami qui est du Mozambique et qui, Monaco de Silva, qui est associé à l'association mozambicaine en défense de l'homosexualité. Donc, il y a une béatitude pour les prédicateurs. Ceux qui parlent le moins seront invités encore une fois. Et donc, j'essaierai d'être très bref. Mais puisque c'est un discours que je vais partager avec vous, je sais que puisque nous discutons la question de l'homosexualité, et donc c'est très bien d'entendre parler qu'une personne qui vient de la communauté LGBT. Je suis reconnaissant pour cet espace sacré qui me permet de partager mon cheminement spirituel. Et je suis reconnaissant aussi à l'Église d'avoir fourni cet espace sacré pour que la voix des lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et questionnantes soit entendue. Cette question n'appartient pas. Cette question n'est pas une préoccupation américaine ou des Blancs ou de la juridiction de l'Ouest ou des progressistes. Les individus LGBTQ servent notre Église à tous les niveaux et partout dans notre connexion. Nous, les personnes LGBTQ, nous existons au sein de toute race et de tout pays. Dieu nous connaît. Il nous connaît que nous. Nous avons que nous sommes homosexuels ou non. Et nous sommes toujours dans les mains de Dieu. Donc, pour les membres LGBTQ dans notre Église, nous savons que Dieu vous aime. Mon histoire est aussi très semblable à d'autres présences. Je suis née et j'ai été baptisée dans une église, dans un pays où 80% de la population est catholique romaine. Et c'est un défi d'être protestant. Donc, non seulement les méthodistes unis, mais de tous les chrétiens que nous avons, ce que nous avons en commun, c'est notre baptême. Je suis l'aîné de trois frères. J'ai été élevé dans l'Église méthodiste unie et j'ai été confirmé dans la plus ancienne congrégation de l'Église méthodiste unie aux Philippines, l'Église Knox à Manille. Et je sais que mon ami ici est un membre de cette église. J'ai finalement assisté à l'école du dimanche, aux colonies de jeunes. J'ai fréquenté les écoles méthodistes unies depuis la maternelle jusqu'au lycée. J'ai été à l'école des pasteurs évangéliques.
Et j'ai même terminé mes études avec grand succès au séminaire aux Philippines. Et j'ai été ordonné diacre en 1992 et ancien en 1994. J'ai été baptisé méthodiste, mais à chaque fois qu'il y avait une réunion de famille, ma famille catholique me disait, me chuchotait à l'oreille, que j'étais vraiment un catholique et je ne savais pas pourquoi. Alors, lorsque j'ai posé la question à mon père, j'étais surpris d'apprendre que j'avais été baptisé deux fois. J'ai été baptisé dans une église méthodiste et dans une église catholique. Alors, mon père m'a dit, bon ben, j'ai convenu qu'on se mariait dans une église catholique, mais non, nous allons être mariés dans une église méthodiste, mais mon premier-né serait baptisé dans une église catholique romaine. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, mon père m'a amené secrètement dans une église méthodiste et il m'a fait baptiser en secret méthodiste. Donc, j'ai été baptisé deux fois. Et donc, à l'âge de 10 ans, peut-être, j'ai décidé de devenir un pasteur méthodiste quand je suis grand. Et puis, je me souviens, lorsqu'on m'a posé la question, qui c'est qui veut être pasteur méthodiste, diacre? Et moi, je me suis levée, j'ai dit, oui, moi, je voudrais être pasteur. Et donc, le pasteur Izzy m'a fait prêcher devant les jeunes, et puis j'ai été aussi conseiller au lycée auprès de mes camarades. Mais aussi, à ce moment-là, j'ai commencé à reconnaître que j'avais des émotions et une attraction, une attirance à mes camarades du même sexe. Mais dans ma culture, ce n'était pas acceptable. Et donc, j'ai demandé à Dieu, pourquoi m'as-tu appelé à servir dans une église, dans ton église, qui ne veut pas m'accepter tel que je suis? Et Dieu a été très silencieux, n'a jamais rien dit. Mais j'ai vu dans la discipline que je suis incompatible avec les enseignements chrétiens. Alors comment pourrais-je être homosexuel élevé dans une église méthodiste unie? J'ai lutté avec le fait de mon identité homosexuelle. Je craignais, j'ai eu beaucoup de craintes lors de mon ordination parce que je ne savais pas comment avouer ceci. Mais à ce moment-là, le cantique que je préférais, c'est « Jésus est mon meilleur ami ». Et donc, je cachais ces émotions. Et donc, pendant 23 ans, je n'ai pas osé admettre que j'étais moi-même un homosexuel. Mais cette expérience me rappelle que nous faisons partie d'une tradition qui ne veut pas faire du mal. Nous combattons le malaria. Nous essayons d'éradiquer le sida. Nous avons des bénévoles en mission dans des endroits les plus pauvres de la planète. Nous sommes des gens passionnés par la mission. Mais pourtant, ma propre communauté LGBTQ est la seule communauté qui est nommée et niée la fraternité chrétienne dans la discipline. Mais je crois qu'au niveau de notre éthique, je sais que l'Église méthodiste unie continuera à nous lier ensemble. Je sais que un nouveau jour est venu. Lorsque j'ai été affecté à une paroisse pour la première fois en tant que pasteur ordonné, j'avais 25 ans. Et donc, en tant que nouveau diacre et en deuxième année de séminaire, je peux vous dire que Dieu, franchement, travaille de façon extraordinaire.
Et donc, j'ai été affecté à l'église où j'ai été baptisé dans l'église méthodiste unie. C'était l'église Tangos, dans le petit village de pêche de Navotas, en dehors de la ville de Manille. Et le premier dimanche où j'ai dû prêcher, j'ai comme pris dans mes mains un vieux registre poussiéreux qui avait tous les baptêmes inscrits. Et j'ai dit à la congrégation que j'avais été baptisé dans ce sanctuaire même. Et je leur ai montré l'inscription dans ce registre que le bébé Israël Alvaran avait été baptisé ici. Et je leur ai dit, et à mon âme fatiguée aussi, que Dieu m'avait ramené au point de départ. Depuis l'affirmation et l'accueil en tant qu'enfant de Dieu dans le baptême, jusqu'à l'accomplissement de mon appel au ministère ordonné. J'attends que Dieu me réponde à ma question. Pourquoi m'as-tu appelé à servir dans une église qui ne m'accepterait jamais en tant que pasteur? Et profondément dans mon cœur où je cachais que j'étais gay, ceci est la réponse de Dieu. Et peut-être c'est la réponse à la communauté, ma communauté LGBTQ, dans l'église où nous servons. Mon enfant bien-aimé, c'est ce que Dieu me répondait. Je te connaissais, je t'ai connu quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et dans le baptême, dans ce sanctuaire même, l'amour et la grâce dont je t'entourais a été affirmé par cette congrégation. Par l'eau et par l'esprit, on t'a accueilli comme mon propre enfant. Tu m'as demandé sans cesse pourquoi je t'ai appelé à servir dans cette église. Mais aujourd'hui, sache que tout va bien. Je sais qui tu es. J'ai marché avec toi et je suis resté toujours avec toi, même dans les plus profondes cachettes où tu t'enfermais. J'ai toujours été avec toi durant ta peine et ton incertitude. Aujourd'hui, je t'ai ramené ici, au même endroit où je t'ai embrassé pour la première fois comme mon propre enfant et maintenant comme mon serviteur qui répond à mon appel. Tu n'as rien à te reprocher quant à ce qui tu es. Je t'aime pour ce que tu es. Il y a une raison pour laquelle je suis nommé Israël, car tout comme Jacob, je me suis débattu avec Dieu et la haine que j'avais envers moi-même. Mais ceci, cette haine, s'est transformée en une célébration de mon identité en tant qu'homme gay. Et lorsque je me suis réuni avec mes anciens camarades de mon lycée, je leur ai dit, est-ce que vous vous souvenez lorsque vous m'avez dit que j'allais aller en enfer à cause de qui je suis? Vous vous souvenez? Mon cheminement spirituel n'est pas terminé. Le cheminement spirituel de l'Église n'est pas terminé. Nous sommes tous enfants de la réforme. Nous n'avons pas peur de changement. Lorsque l'Évangile le demande, nous sommes une église. Nous avons eu des difficultés à accepter les femmes en tant que pasteur ordonné. Et nous savons que la première femme évêque sur le continent d'Afrique est l'évêque du Mozambique. Donc, nous avons eu beaucoup de difficultés avec l'esclavage et beaucoup d'autres problèmes. Et je termine ma présentation personnelle sur la question de la grâce et de l'alliance. On m'a demandé maintes fois pourquoi je demeure dans l'Église méthodiste unie. Et je continue à rester dans l'Église méthodiste unie parce que j'aime l'Église. L'Église qui m'a élevé dans la foi et m'a appris à être compatissant et prophétique. Et je me souviens d'un cantique que nous avons
appris à l'école du dimanche. Je sais que beaucoup plus profondément et beaucoup plus largement, nous te trouverons, Jésus. Et je sais que, en moi-même, que Jésus aime les enfants, tous les enfants, qu'ils soient rouges, noirs, blancs ou jaunes. Il aime tous les enfants, tous les petits-enfants du monde. Et je reste et demeure dans cette église parce que je veux voir notre église finalement réaliser la promesse qu'elle a faite. Dieu a couru le risque de m'aimer, de me soutenir, de me baptiser, de me confirmer et de faire en sorte que je sois ordonné en tant que pasteur. Il n'y a aucune raison pourquoi je ne pourrais pas courir le même risque pour ma propre Église, parce que je sais qu'à un certain point, peut-être pas dans ma vie ou au cours de ma propre vie, mais que mon Église bien-aimée, réalisera sa promesse, gardera sa promesse pour moi-même et pour mes amis et ma communauté LGBTQ. Parce que je sais que nous sommes toujours en train d'être perfectionnés. Merci, Pasteur Alvarado. Et finalement, voici l'évêque Christian Alsted, représentant l'Europe du Nord et l'Eurasie. Merci, Ricky, et bonjour à tout le monde. Je m'appelle Christian Alsted. Je suis l'évêque résident dans la région des Baltiques, qui est très diverse et comprend 7 pays. Après 25 ans en tant que pasteur et surintendant de district, j'ai été élu en 2009 à l'épiscopat. Actuellement, je suis membre du conseil d'administration du séminaire théologique en Estonie et le co-président du conseil méthodiste et européen. Je suis aussi actuellement membre du conseil d'administration de l'Agence générale Église et Société, et je suis aussi membre de la commission sur la conférence générale et aussi du comité permanent en matière des conférences centrales. Je suis mariée avec Mme Elisabeth Flink depuis 1984 et j'ai 3 enfants qui sont maintenant adultes. Alors, quelle est notre identité en tant qu'Église méthodiste unie? Très souvent, je cite des paroles du méthodisme britannique qui nous dit que le méthodisme, c'est un mouvement pour faire des disciples et former pour la mission. Notre but est de faire des disciples et à travers cette expérience personnelle transformatrice, cela nous mène à être une communauté avec Dieu et avec les uns et les autres et où nous exprimons notre foi. Et ceci nous mène à transformer la vie, les familles, les communautés et des lieux de travail, le monde qui mène en fait à la transformation du monde. Et je sais que d'une certaine façon, le méthodisme maintient l'union durant les tensions créées par l'action sociale et la passion évangélique, la justice sociale et le salut personnel, la sainteté dans la communauté et des questions sociales incarnées dans le ministère diaconal. Ou, comme énoncé dans la discipline, nous ne proclamons aucun évangile personnel qui ne s'exprime pas dans des questions sociales pertinentes. Nous ne proclamons aucun évangile social qui ne comprend pas la transformation des pécheurs. Nous avons une compréhension holistique et pratique du salut qui est développée et vécue en communauté. Le salut, dans son abondance, transforme nos pensées, nos émotions, notre imagination, notre esprit, notre corps, nos valeurs, nos relations, notre volonté et nos aspirations.
Pour le dire plus simplement, un méthodiste est une personne sur laquelle s'est répandu l'amour du Christ et en communauté avec d'autres personnes qui vit la foi chrétienne avec la tête, le cœur et les mains. En tant que corps du Christ, l'Église méthodiste unie est une Église mondiale. Pour nous, cela signifie être liés ensemble dans une alliance connexionnelle et de s'engager à être dans le ministère auprès de toute personne. Nous explorons et nous apprenons ce que cela signifie véritablement être une Église mondiale. Et au fur et à mesure que nous le faisons, nous nous engageons à l'unité en tant que témoignage de l'amour du Christ à l'œuvre parmi nous. Nous partageons les dons que Dieu nous a donnés ainsi que les expériences et les ressources en reconnaissant qu'ils ont tous la même valeur, que ce soit spirituel, financier ou missionnaire. Nous nous engageons à l'égalité totale et à la responsabilité mutuelle dans nos relations, nos structures et nos responsabilités. Dans un monde de contrastes et de divisions, l'Église méthodiste unie devient souvent celle qui jette les ponts, qui réconcilie, et c'est la vérité autant dans la société que dans les relations écuméniques de l'Église. Et c'est la vérité depuis très longtemps. Ça a toujours fait partie de notre ADN, d'après ce que j'ai toujours compris. C'est que les méthodistes osent toujours poser des questions, osent toujours lutter avec ces difficultés et d'en relever les défis. Et de le faire avec respect, avec grâce et avec compassion et avec amour. Et je crois que nous pouvons le faire. Merci. Merci. Alors maintenant, nous allons procéder à des questions qui seront ouvertes à nos experts ici. Alors, la question est telle. Dans votre contexte, quel est le rapport entre l'orientation sexuelle ou le fait qu'une personne est mariée et sa qualité de membre, son baptême et son engagement total à l'Église méthodiste unie? Quel est le rapport d'une personne mariée, par exemple, à son baptême? Évêque? Je crois que c'est une question très importante. Dans ma région, avec sept différents pays, il y a beaucoup de diversité. Il y a certaines conférences qui seront très en faveur d'un changement de position de l'Église en ce qui concerne l'homosexualité. Certaines conférences seront totalement le contraire et veulent maintenir la position de l'Église. Et certaines autres conférences sont divisées. Il y a plusieurs différentes positions sur la question de l'homosexualité. Et dans certains pays où je sers l'Église, il est possible d'avoir une union de personnes du même sexe. Dans certains pays, c'est possible dans l'Église luthérienne, qui est une église de l'État, où on peut avoir des mariages homosexuels. Et dans certains autres endroits, ce n'est pas possible. Et il y a une très grande opposition au mariage homosexuel. Et même dans certaines églises avec lesquelles nous avons beaucoup de relations, il y a la possibilité d'avoir d'unions homosexuelles ou des mariages homosexuels. Dans certaines églises avec lesquelles nous avons un très grand rapport, sont très opposées à ceci. Et pour eux, ils sont en train de considérer de
mettre fin à nos relations si nous allons offrir la possibilité de mariage homosexuel dans notre Église. Donc, c'est le contexte dans ma conférence centrale. Nous nous engageons à être dans le ministère auprès de toute personne et nous nous engageons à accueillir toute personne en fraternité au sein de notre Église. Il n'y a aucun doute. Ça, c'est une valeur fondamentale et très puissante de notre Église. Il y a quelques pasteurs dans certaines églises qui accueillent les personnes gays et homosexuelles à tous les niveaux, à l'exception de ce qui est inscrit dans le livre de discipline. Certains pasteurs dans certaines églises trouveront que c'est très difficile d'offrir des postes de direction à des personnes gays et lesbiennes. Mais il y a certaines églises aussi qui trouvent que c'est très difficile pour eux d'accepter les personnes gays et lesbiennes, que moi-même, je pense que c'est très difficile. Mais c'est possible pour un pasteur de décider qui est prêt à devenir un membre de notre Église. L'attitude parmi les pasteurs dans ma conférence est que bien qu'il y ait des positions diverses à ce sujet, que nous devons rester fidèles à la décision prise par la conférence générale et que nous ne mettrons pas en question les décisions prises à la conférence générale, que nous devons uniquement les discuter. Je sais qu'il y a un groupe qui envoie des pétitions, qui enverra une pétition à la conférence générale, tout en restant fidèle aux décisions que la conférence générale a prises. Il n'y a pas de réponse très claire. Je voulais uniquement mettre en évidence les différents points de vue et les positions, les défis que nous devons relever. Nous vivons et nous essayons à être une Église méthodiste unie fidèle. Y a-t-il une autre personne qui voudrait répondre à cette question? Lorsque nous choisissons notre itinéraire, j'ai choisi de passer par l'Éthiopie parce que je voulais faire une prière lorsque j'ai atterri en Éthiopie. Et je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu à l'unique Éthiopien qui a été baptisé par l'apôtre Philippe. Et dans le livre de Actes, un homme noir venant de l'Afrique, un païen qui recherchait la parole de Dieu, qui allait à Jérusalem, c'était une minorité sexuelle de l'époque. Et je sais que ça a été une correspondance assez rapide en Éthiopie, mais j'ai fait une prière. Je voulais faire une prière à Dieu. Le baptême aux Philippines, c'est très, très important. Mais de voir que cet homme, cet unique Éthiopien, est un exemple de qui pourrait faire partie de l'Église, même lorsque l'apôtre avait des difficultés et luttait avec ceci. Qui peut faire partie de l'Église. Il fallait qu'ils soient des Juifs, qu'ils soient circoncis, et ainsi de suite. Et donc, ils avaient beaucoup de difficultés. Aux Philippines, si vous êtes baptisé en tant que chrétien, que vous soyez catholique ou n'importe quelle autre dénomination, c'est vous identifier en tant que chrétien. Et comme je vous ai dit plus tôt, il y a une fête pour célébrer les catholiques. Et durant cette fête, tous les Philippins veulent que leurs enfants soient baptisés ce jour-là.
Donc, que même à ce moment-là, on a dit au pasteur, vous ne pouvez pas baptiser n'importe qui lorsqu'ils viennent à l'église. Seulement à cause de ça, il faut franchement être en consultation avec les parents et ainsi de suite. Donc, pour les chrétiens, pour les catholiques, c'est très important que nous soyons baptisés, parce que nous recevons le Christ par notre baptême. Mais je me souviens de cet Éthiopien, mais je rends grâce à Dieu que ceci est le premier exemple qui nous est donné. Parce que nous savons qu'ils n'étaient pas tous du même avis, mais lorsque l'Esprit de Dieu s'est répandu sur eux, le centurion et les personnes furent baptisés et ont commencé à faire partie de l'Église. Donc maintenant, je passe à la deuxième question. Que se passerait-il si un changement aurait lieu en matière de la position actuelle énoncée dans le livre de discipline concernant l'homosexualité? Quelle différence cela ferait-il, le cas échéant? Dr. Bando? Oui, je crois que j'ai une réponse à cette question. S'il y avait un changement concernant la position en matière de l'homosexualité, et quelle différence cela ferait-il, le cas échéant? Et j'ai trois options, peut-être, pour répondre. La première option, le changement de la position dans le livre des disciplines concernant l'homosexualité, ça ne se passera jamais jusqu'à ce que l'Église méthodiste unie reste l'Église en connaissant quelle est sa mission sur la terre. Dieu a créé les gens hétérosexuels, les personnes homosexuelles ont été créés à cause de la chute de l'homme. Dieu voudrait restaurer l'humanité à la nature d'origine. Donc, le plan de Dieu est de restaurer l'humanité qui a été perdue. Et l'Église méthodiste unie, à travers les principes sociaux du paragraphe 161.F, qui dit parle du mariage hétérosexuel monogame et n'encourage pas les relations homosexuelles qui sont incompatibles avec les Écritures chrétiennes. Donc, à la première conférence générale en 1972, ça fait plus de 40 ans que nous avons ceci. Donc, il me semble que ce changement de position n'aura jamais lieu parce que cette déclaration a déjà éprouvé le test du temps. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, si l'Église approuve la pratique de l'homosexualité, on n'appellera plus l'Église l'Église, parce que ça veut dire qu'elle a nié l'existence de son mandat. Elle cessera d'être l'Église. Et tous les arguments seront utilisés pour remplacer la déclaration que nous trouvons maintenant dans le livre de discipline. Et nous verrons l'Église chuter. Nous verrons l'Église se diviser. Et ça sera franchement pas croyable. Troisième option, l'Église devrait avoir une position positive
Parce que la question de l'homosexualité a toujours été mise en question en ce qui concerne les principes sociaux de l'Église méthodiste unie. À chaque fois que nous arrivons à la conférence générale, à chaque fois que nous nous réunissons, le seul principe social qui est mis en question est toujours l'homosexualité, comme s'il n'y avait aucun autre principe social du livre de discipline qui pourrait être remis en question. Il y a plus de 70 principes sociaux, mais on traite toujours ce principe social le plus. Donc, l'Église ne devrait jamais voter sur cette question, tel qu'il est le cas toujours à la conférence générale. Est-ce que nous votons sur la question de l'adultère, de la polygamie, des meurtres, de la discrimination des minorités? Non, on n'y vote pas. Alors pourquoi voulez-vous voter sur quelque chose qui est incompatible avec les enseignements chrétiens? Vous savez que la position de l'Église sur l'homosexualité, une option serait d'avoir les principes sociaux comme les règles restrictives, comme nous le faisons avec les règles générales. Si ça fait partie des règles restrictives, alors il me semble que la question de l'homosexualité ne sera jamais remise en question. Deuxième option, alors l'union des personnes du même sexe n'est pas autorisée dans l'Église méthodiste unie. Alors si vous lisez le paragraphe 341.6, n'est-ce pas assez ou suffisant? Ce n'est pas acceptable dans l'Église méthodiste unie. Je crois que ça devrait être considéré comme quelque chose qui est évident, quelque chose auquel nous convenons, et que ce ne serait pas une option de changer. Et aussi de le considérer comme une croyance de l'Église méthodiste unie. Merci, Dr. Bondo. Y a-t-il une autre personne qui voudrait y répondre? Alors, que se passerait-il dans votre contexte si un changement aurait lieu en matière de la position actuelle sur l'homosexualité? Alors, très récemment, aux États-Unis, une femme transsexuelle de 17 ans s'est suicidée parce qu'elle ne ressentait pas l'amour et l'acceptation de sa famille. Et même quelque chose qui est beaucoup plus proche de moi aux Philippines, une autre femme transsexuelle a été tuée par un soldat américain. Elle a été étranglée et puis noyée dans des toilettes. Et le soldat a admis qu'il l'a tuée parce qu'elle était transsexuelle. Il y a d'innombrables enfants LGBTQ et tout le monde qui sont perçus comme étant homosexuels et le fait qu'ils ne sont pas vus en tant qu'expression normale. Je sais que ces enfants sont intimidés et toujours battus. Mais dans la plupart des endroits du monde, ces enfants LGBTQ et ces adultes aussi ont des options très limitées. Ils sont forcés de cacher leurs propres identités pour se cacher et prétendre qu'ils sont hétérosexuels afin de survivre.
Et donc, je ne sais pas si je suis d'accord avec les options. Ce n'est pas un choix d'être homosexuel. Et croyez-moi, en tant qu'homosexuel, ce n'est pas un choix. Et je ne voudrais pas que notre Église suppose qui nous sommes. De retirer le langage discriminatoire du livre de discipline s'aligne avec l'Évangile de Jésus-Christ. Je crois que ça... Now, regardless of one's stance on the matter, on the issue of our lives, ça arraterait toutes les relations si nous avons toute cette violence et ces préjugés contre les communautés LGBTQ. Mais peu importe votre position sur la question, je voudrais savoir que nous tous, nous ne voudrions jamais être associés avec des crimes de haine ou les suicides des jeunes ou des autres préjudices contre les communautés LGBTQ. Jusqu'à ce que notre Église enlève cet enseignement qui suggère qu'il est bon et que c'est une raison fidèle d'être préjugé contre les gens LGBTQ. Nous demeurerons toujours complicites dans le préjudice contre ces gens que nous essayons d'éviter. D'enlever ce langage discriminatoire du livre de discipline créerait en fait un espace neutre pour une véritable conversation. Et peut-être ça permettrait la guérison entre les gens de la communauté LGBTQ et les alliés et ceux qui ne soutiennent pas leur position. Cette discipline qui est toujours en discrimination contre nous. Il me semble que si nous retirons ce paragraphe, ça enlèverait la façon dont le livre de discipline se contredit même. Ça exigerait que chaque pasteur soit dans le ministère auprès de tous, sans discrimination. Nous avons séparé l'identité innée des gens LGBTQ en disant que nous croyons que ces personnes sont de valeur sacrée. Et pourtant, nous nions la sanctité de leurs relations d'alliance et la dignité des familles qu'ils élèvent. Mais nous sommes des gens guidés par le Saint-Esprit avec une belle histoire, un passé. Let us remember, our leaders went through the challenges of breaking off with the Church of England. Our founders consecrated American bishops and ordained pastors without the blessing of an African bishop for the sake of the gospel. Séparé de l'Église anglicane. Je sais que nos fondateurs ont consacré des évêques américains et ordonné des pasteurs sans l'autorisation d'un évêque anglican au nom de l'Évangile. Et par conséquent, on crée une nouvelle dénomination. Et Wesley a été exclu des églises et a répondu en prêchant dans les champs et les places publiques, malgré le fait que cette pratique n'était pas approuvée. Et donc la marque de notre foi reflète l'esprit dynamique de la réforme. C'est une invitation de notre Église de répondre à notre culture. Nous sommes de notre mieux lorsque nous répondons à ceci et lorsque nous sommes une Église connexionnelle et pas correctionnelle. L'Église que nous appelons l'Église méthodiste unie, je veux rester dans cette Église, je ne veux pas l'abandonner. Je sais que peut-être les passagers de notre Église ou les membres de notre Église veulent me rejeter, mais je sais que Jésus, lui qui est le capitaine de notre navire, il a appelé Pierre
en lui disant, sors de la marque. Take that risk. Cours le risque. Parce que si nous retirons les paragraphes qui fait préjudice à ma communauté, tout comme Pierre qui est sorti de la barque, nous pourrons être un peu plus près de réaliser le règne de Dieu. Et nous ne serons pas frappés par la crainte, mais par l'esprit de grâce, de la réconciliation. Et je sais que nous devons prêter attention à, au temps qui nous est accordé. Alors, je vais accorder quelques minutes autour de vos tables pour que vous puissiez en discuter, pour donner un petit peu de repos à nos participants ici. Donc, après vos discussions autour de la table, nous prendrons un petit peu de temps pour répondre aux questions, pour que les personnes puissent poser leurs propres questions aux présentateurs. Si vous n'entendez pas, je répéterai la question. Dans le contexte du ministère où les gens se trouvent, nous voudrions avoir une réponse un peu plus spécifique. Dans votre région, qu'est-ce que vous croyez véritablement ce qui va se passer dans votre région s'il y a un changement disciplinaire? Évidemment, ça dépendra dans quelle direction et de quelle façon le livre de discipline sera changé. Je suis certain qu'il y aura des églises qui considéreront que s'ils veulent demeurer dans l'église ou dans la connexion, ou s'ils peuvent le faire, mais ça fera aussi partie de la réalité des conférences. Les changements peuvent avoir lieu de différentes façons. Il y aura peut-être plus de liberté pour des églises de décider, ou même des églises locales qui peuvent décider de demeurer dans l'église ou non. Et ceci affectera l'église partout. C'est très difficile de dire, mais je suis certain qu'il y aura des églises qui vont peut-être réfléchir à quitter l'église. D'autres questions? Théo Williams, de la conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest. Ma question est pour le révérend Alvaran. Vous, est-ce que vous êtes toujours pasteur dans une église locale après que vous avez avoué ouvertement que vous êtes homosexuel? Et deuxièmement, quelle est la réception de votre congrégation lorsqu'ils ont découvert que vous êtes gay après votre ordination? Today is when I first came out to our church. So I don't know what the response would be. C'est aujourd'hui que j'avoue à tout le monde. Mais il y a deux semaines, je l'ai avoué à mon évêque. Et mon évêque a eu la grâce de m'affecter au réseau des ministères réconciliants. Et je lui ai dit que j'avouerai publiquement mon homosexualité à la table connexionnelle durant leur réunion. Et il a eu plein de grâce. Je sais que même aux Philippines, j'aurais pu avoir un meilleur poste, mais maintenant, je suis de retour à mon premier poste en tant qu'organisateur. Je ne suis plus pasteur maintenant dans une église locale. Mais
Je me souviens d'avoir avoué ceci à mon surintendant de district. Et elle m'a répondu, oui, je t'aime pour qui tu es, mais est-ce que tu es vraiment très certain? Et je lui ai dit, l'Église peut me retirer mes qualifications, mais pas mon appel, parce que l'appel me provient de Dieu. Et deuxièmement, je lui ai dit, vous aviez des camarades au séminaire qui, que nous savons, sont homosexuels ou lesbiennes. Et je lui ai dit que ces personnes-là font en sorte que leur Église est en pleine croissance. Et ils font partie même de l'Église à des postes de direction. Et Dieu connaît ou sait qu'il y a des personnes, des gays, lesbiennes, transsexuelles, etc. Et je suis homosexuelle, que je le cache ou non. Mais du moment que quelqu'un l'avoue ouvertement, alors nous ne pouvons plus avoir des postes de direction en tant que pasteur. Mais peu importe, je suis toujours comme je suis. La question que nous avons à notre table, et c'est une question pour Dr. Bando. Une partie de notre conversation traitait ce terme, incompatibilité, et ceci... ce terme incompatibilité, incompatible, est tiré deux fois dans la discipline en termes de l'homosexualité et de la guerre. Et donc, notre question était, est-ce que ceci est incompatible, comment pouvons-nous répondre à ces personnes? Parce que notre responsabilité dans le Christ, c'est d'aimer comme le Christ nous a aimés. Alors, comment pouvons-nous vivre avec cette incompatibilité? En tant qu'Église, nous recevons ce membre comme faisant partie de notre communauté. Nous organisons un ministère avec les personnes homosexuelles et nous espérons que nous allons les aider pour qu'ils puissent éprouver un changement d'être transformés en homosexuel pour devenir hétérosexuel. Et ça, c'est ce que nous faisons en Afrique. Nous sommes convaincus qu'il pourrait avoir un changement. Je crois que peut-être nous n'avons pas le temps pour une autre question. Donc, nous continuons. Le 26 janvier, Dream UMC a organisé un Twitter chat pour la table connexionnelle et a présenté à la connexion dans le monde entier un petit aperçu des questions posées ici aujourd'hui et a demandé aux participants sur Twitter chat de proposer des questions pour les participants de la table ronde. Donc, voilà quelques questions que nous avons reçues pendant ce chat. Swaim Presley demande, dans vos communautés, de quelle façon comprend-on la sexualité humaine et comment est-elle exprimée de façon acceptable? Aux Philippines, il y a eu un sondage en 2013 qui demandait, qui posait la question aux Philippins si c'était acceptable qu'il y ait des homosexuels dans notre société. Et la majorité des Philippins ont dit oui. Et puis, il y a eu une autre question. En tant qu'une personne de foi ou religieuse, à votre avis, est-ce que vous pensez que c'est immoral? Et la majorité ont répondu oui. Donc, il y a quelque chose de déconnecté, de contradictoire. Donc, il nous faut aussi comprendre que leurs droits civils doivent être respectés, mais leurs droits religieux, en fait, les gens disent qu'ils ne doivent pas être respectés. Mais je suis reconnaissant à mon évêque lorsque je pose la question. Qu'est-ce que le Collège des évêques pense pour les conférences centrales? Et il nous dit, nous avons demandé aux jeunes
our people, de guider, de nous guider, l'Église méthodiste unie aux Philippines, d'ouvrir la discussion, le dialogue. Mais en tant qu'homme homosexuel, il me semble qu'il est temps de dialoguer. Est-ce que vous allez prier avec nous? Est-ce que vous allez reconnaître notre douleur, notre peine? Parce que nous aimons l'Église tous ensemble. Alors, en tant que Philippins, et notre position, nous sommes ouverts aux droits civils, mais peut-être pas aux droits de l'Église et religieux. Donc, je sais que les femmes de l'Église méthodiste unie aux Philippines, en Afrique, partout, nous savons que nous sommes tous du même cœur. Et je pense que c'est là où nous devons commencer. Alors, dans vos communautés, de quelle façon comprend-on la sexualité humaine et comment est-elle exprimée de façon acceptable? Je voudrais vous dire que dans ma région, l'expression de la sexualité humaine dans toutes ses formes différentes est acceptée, au moins officiellement, et que les droits des minorités sont protégés. Mais ce qui se passe non officiellement et comment les gens se comportent envers d'autres personnes, par exemple les gays, les homosexuels et les lesbiennes, ça peut être une autre question. Je sais qu'il y a des crimes de haine qui est franchement un très grand problème, mais en général, dans notre société, les droits de toute personne pour qu'ils puissent exprimer leur sexualité est soutenu et protégé. Docteur Bando, dans le contexte africain, la sexualité humaine est exprimée et acceptée dans la forme d'un mariage monogame hétérosexuel, tel qu'exprimé dans le livre de discipline, et c'est ce que nous suivons. C'est toujours une relation hétérosexuelle et monogame. C'est accepté. Et c'est compris. Autrement, ça causerait des problèmes. Ou ça cause des problèmes. Donc, notre dernière question, je vais vous demander en une seule phrase ou deux peut-être, je vous demande de répondre à cette question. Quelle serait une théologie saine de relations et de sexualité humaine? Quelle serait une théologie saine de relations ou de sexualité humaine? En une phrase ou deux, s'il vous plaît. J'ai dit plus tôt que nous sommes de notre mieux lorsque nous sommes une église connexionnelle et relationnelle, d'être en relation avec Jésus-Christ. C'est une tâche très difficile, mais dans mon contexte, je crois que les Philippins vraiment sont orientés envers leur propre famille. Les familles aiment les enfants, nous aimons les enfants, et je pense que dans le contexte de famille, nous pouvons commencer nos conversations. Nous pouvons être différents de différentes façons, mais nous pouvons être ensemble dans le baptême. Nous devons tenir notre promesse dans le baptême, parce que les Philippins aiment les sacrements. On a des grandes fêtes lorsque les enfants sont baptisés. Les gens auraient des fêtes et des fêtes et dépenseraient beaucoup d'argent pour avoir une grande fête lorsqu'ils baptisent leurs enfants. Parce que nous reconnaissons le sacrement.
Nous ne demandons pas si cet enfant va être gay, homosexuel, bisexuel, transsexuel. Nous ne demandons pas ceci lors de leur baptême. Dans cet enfant que nous valorisons, nous entendons, oui, j'ai même pris soin de cet enfant, même avant que cet enfant est né, soit né. Nous promettons de lutter contre la discrimination de toute forme. Il y a beaucoup plus de grâce dans l'Église parce que l'enfant ne sait pas. Ce n'est pas la vie de l'enfant. Mais l'Église reconnaît que c'est un moyen de grâce parce que nous ne voulons jamais plus faire discrimination contre personne. Et nous tenons, nous faisons cette promesse. Donc, très souvent, on nous demande, et en particulier depuis quelques années maintenant, on nous dit, si vous faites ceci, alors vous allez briser l'alliance. C'est ce qu'on nous dit. Et alors, bon, d'accord, peut-être nous avons enfreint au règlement du livre de discipline, mais l'Église même a brisé la promesse du baptême parce que nous pouvons dire quoi que ce soit, mais écoutez-nous, nous aimons cette Église autant que vous l'aimez. Je suis méthodiste unie autant que vous l'êtes. Nous sommes liés par notre baptême. Commençons à dialoguer. Puisque nous avons commencé notre relation en tant que membres de cette Église méthodiste unie. Évêque, j'habite dans un contexte très sexualisé et la sexualité est de plusieurs façons dans notre société exprimée de façon que moi, je perçois comme étant malsain. Ou peut-être des personnes profitent des uns et des autres, où le sexe est pratiqué sans l'amour, où les gens ne sont pas dans une relation d'alliance les unes avec les autres, où c'est une situation d'exploitation. Et je vois ceci comme étant un très grand problème dans notre culture occidentale. C'est une très grande question lorsque nous parlons au niveau théologique sur la sexualité humaine. Mais je voudrais comprendre aussi ou inclure que la sexualité dans sa totalité ou intégralité est uniquement exprimée dans une relation d'alliance entre deux personnes. Ça, c'est très biblique. Que les deux personnes dans cette relation s'aiment, prennent soin l'une de l'autre, se protègent l'une et l'autre et se soutiennent. Personnellement, ma position sur la sexualité humaine s'aligne avec la position actuelle du livre de discipline. Toutefois, c'est un très grand mystère pour moi que cette seule question est devenue une question dominante, prédominante dans notre dénomination. Et ça, pour moi, ça présente un très grand problème. Le sondage qui a été accompli par l'agence de communication indique très clairement que la majorité des méthodistes unis considèrent cette question comme n'étant pas la question principale à discuter. Il me semble que c'était même la 9e ou 10e question.
La question de la sexualité humaine, et en particulier l'homosexualité, c'est évidemment une question importante à discuter. Mais ça ne doit pas avoir la signification ou l'importance pour nous séparer, nous diviser en tant qu'Église. Et si nous allons dans cette direction, je me demande ce que nous allons penser à notre passé dans 50 ans. Parce que ce que l'histoire devra raconter en ce qui concerne notre Église à l'heure actuelle et nos actions aujourd'hui. Parce que je sais que maintenant d'avoir dit ma position, d'avoir avoué ma position, que maintenant on va m'étiqueter ou me catégoriser d'une certaine façon. Et donc, c'est malsain. Ce n'est pas bien de faire ceci. Nous avons une tâche beaucoup plus grande, un but beaucoup plus élevé. Et nous devons aboutir à une solution qui est importante, mais qui ne doit pas être la seule question à discuter. Il n'y a aucune question que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et on n'en discute pas. Et on ne discute même pas que Jésus-Christ est la voie du salut, la voie à Dieu. On ne discute pas de l'importance du salut par notre foi. Ce sujet de sexualité humaine n'a pas autant d'importance que toutes ces autres questions. Et moi-même, je ne vais pas promouvoir la séparation, la division de notre dénomination. Ce n'est pas correct. C'est un péché de le faire. Et ça n'a aucune importance de quelle position d'où vous venez, peu importe votre opinion. Il nous faut trouver un moyen d'être unis, d'avoir l'unité, de nous aimer les uns et les autres, quoique la question se trouve. Et il me semble que nous pouvons trouver une solution. Oui, en termes de théologie, en concernant la sexualité humaine, j'ai mentionné que la sexualité humaine, c'est le don de Dieu à l'humanité. Donc, c'est sacré. Dieu nous a créés pour que nous soyons des êtres sexuels. Nous sommes tous nés avec nos organes sexuels et avec un but. Et lorsqu'il a créé Adam et Ève, et il a dit, allez et multipliez-vous. Donc, le but principal, c'est pour la procréation. Nous utilisons nos organes sexuels pour la procréation. Et lorsque nous avons été créés, Adam, that one jubilated, celebrated the coming of Eve. Il a dit, quand il a été créé, lorsqu'il a créé Adam, il a aussi célébré la sexualité d'Ève. Et ils sont devenus des partenaires. Mais le contexte et le but de notre création, il ne faut pas l'oublier. Donc ça serait... très malsain d'oublier notre contexte et la théologie de la création. Donc, je remercie tout le monde, les participants et tout le monde qui ont pu nous écouter, et les présentateurs à cette table et la table connexionnelle. Merci.